La magie de la langue des oiseaux, la magie, c'est quand l'âme agit, nous permet de découvrir ou de redécouvrir le sens profond de certains mots que nous utilisons pourtant quotidiennement. Par exemple, le simple mot lunette nous indique lunette, et effectivement, nous avons bien la fonction première de cet objet. Quand je suis en train de bricoler, je suis en quelque sorte occupé à coller ce qui était brisé. En réalité, la langue des oiseaux est un véritable apprentissage, qui permet de décrypter, sortir de la crypte, le sens de certains mots afin d'effectuer le passage, nous menant à la révélation de certains secrets. Et le secret, eh bien, c'est ce qui se crée. Mais pour cela, il nous faut bien sûr être ouvert. Notez ce mot « ouvert » qui, si on place le « ou » à la fin du mot « vert », nous donne « verrou ». Parcourons à présent les mots de la vie de tous les jours. Je ressens le besoin de faire du sport, de me dépenser. Le mot nous indique bien que se dépenser aide à ne plus ruminer et donc de ne plus penser. Je suis à présent malade et la maladie, le mal a dit, nous indique que le mal dont on souffre a sans doute quelque chose à nous dire. Et si nous sommes par exemple atteints d'une tumeur, entendez « tu meurs », eh bien il serait peut-être judicieux de remplacer ce terme par un autre, car cela pourrait bien me rapprocher de la mort, l'âme, or. Et c'est aussi cela, les pouvoirs que peuvent avoir les mots. À propos, quand on dort, on appelle cela la petite mort, et effectivement, le dort meurt. Passons à un domaine que les parents connaissent bien, l'adolescence de leurs enfants. Et celle-ci est bien souvent une étape tourmentée, et c'est d'ailleurs bien connu, les ados, on les a ados. Ils supportent mal l'ennui, et effectivement, quand on s'ennuie, eh bien, c'est que l'on est en nuit. Ces derniers ont bien souvent besoin de preuves, et celui qui veut des preuves risque bien de vivre l'épreuve. Certains parents vous diront à répétition « j'ai tout fait pour mes enfants ». Entendez peut-être « j'ai tout fait pour mes enfants ». Ils diront encore « je leur ai tout donné ». Mais au fait, si vous leur avez tout donné, que vous reste-t-il? Au final, les parents savent bien qu'il faudra leur pardonner. Pardonner. En matière de communication, là aussi, certains mots interpellent. Nous sommes censés communiquer derrière nos écrans. Pourtant, un écran de fumée ou faire écran ne semble pas approprié quand je souhaite me rapprocher de l'autre. Par le biais de nos téléphones portables, appelés à ses débuts téléphones cellulaires, ou en communiquant sur mon mur Facebook, est-on bien sûr que tout cela nous rapproche les uns des autres? Enfin, confortablement assis devant nos écrans de télévision connectés à des centaines de chaînes, n'ont-elles pas fini par nous enchaîner? Alors dites-vous bien que ce langage des oiseaux fonctionne dans toutes les langues. Pour ne donner qu'un exemple, en anglais, lors du coucher, on vous souhaite un « good night ». Entendez « good night », le bon chevalier. Et c'est tout naturellement qu'au réveil, on va dire « wake up », qui peut donner « wake up », le chemin vers la coupe, le Graal. Comme vous le voyez, les exemples sont à l'infini et vous pouvez vous amuser à en trouver tous les jours, mais pas trop, car à trop s'amuser, c'est votre âme que vous risquez d'user. Nous sommes à la recherche du bonheur, mais pour cela encore faut-il que ce soit la bonne heure pour le trouver. Tous ces mots qui nous entourent et que nous utilisons machinalement peuvent bien souvent nous délivrer un message, mais sage, nous permettant de prendre conscience du destin commun, comme un que nous avons tous au sein de l'univers, unis vers, et donc de nous rapprocher de l'essentiel, essence, ciel. Et enfin, sans a priori et surtout sans jugement, car le mot nous indique bien que le juge ment. Observez, écoutez et surtout persévérez. Percez et vous verrez. À bientôt, chers auditeurs.